Welcome to the White House. Please have a seat. Make yourself comfortable. I have called this conference to present my climate action plan. Parce que nous sommes dans une situation difficile. La situation est bien plus que difficile. J'aimerais tout de même vous rappeler que 2014 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. De plus, la concentration en CO2 dans l'atmosphère dépasse le seuil des 400 ppm, ce qui est tout de même énorme. Il faut ainsi limiter la hausse du réchauffement climatique à 2 degrés et n'émettre que 1200 gigatonnes de CO2 d'ici 2100. Au rythme actuel, ce sera le cas dans 30 ans. Il faut des mesures radicales contre l'utilisation des énergies fossiles. Cela fait déjà quelques années que ExxonMobil, BP, Shell et les autres géants des énergies fossiles ont déclaré la guerre à la planète et à toute l'humanité. Monsieur le Président, je ne peux pas laisser dire ça. La hausse de la température mondiale ne représente même pas 1 degré sur le siècle. Quant à la production du gaz de schiste, c'est grâce à elle que les États-Unis sont sortis de la crise économique de 2008. Et je me permets de vous rappeler que c'est vous-même qui déclariez que le gaz de schiste pourrait créer plus de 600 000 emplois. Il y a d'autres problèmes plus importants, comme la pauvreté dans le monde. De nombreuses personnes adoreraient brûler davantage de pétrole pour améliorer leur qualité de vie. À quoi sert-il de s'occuper de la pauvreté si les gens sont morts? Et un peu de calme. Do you want to cook? Monsieur le Président, mon business est en danger. Chaque entreprise doit faire un effort et nous, de notre côté, nous réduirons de 30% les émissions de CO2 nécessaires pour fabriquer une canette. Monsieur le Président, il y a des solutions pour les entreprises. Il y a ma solution, le marché carbone que j'ai mis en place en Californie. Yes, Mr. Schwarzenegger, il y a des solutions. Je voulais justement vous parler du Clean Air Act avec Gina McCarthy. Merci, Monsieur le Président. L'objectif du Clean Air Act est de réduire d'au moins 30% les émissions de CO2 dues au charbon d'ici 2030 par rapport à 2005. Ne faites pas ça, Monsieur le Président. Le charbon est essentiel pour la prospérité des États-Unis. Actuellement, plus d'un tiers de notre électricité est produite grâce au charbon. En plus de cela, le charbon représente la quasi-totalité de nos réserves d'énergie fossile. Monsieur le Président, mon père, le père de mon père et le père du père de mon père étaient des mineurs et vous voulez empêcher mes fils de l'être à leur tour? Oui, Monsieur le Président. 1. Le charbon représente 700 000 emplois. 2. Vous lancez dans une guerre contre le charbon. Le Congrès ne signera jamais, d'autant plus que la Chine, qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre, n'est pas impliquée dans ce Clean Air Act. Monsieur McConnell, comme je le disais, la situation est grave. L'heure n'est pas aux batailles partisanes et les États-Unis se doivent de faire une proposition forte pour la COP21.